Direction Kalangaman Island. D'arriver sur Kalangaman Island. On va passer la nuit ici, sur cette île qui est pratiquement déserte le soir. C'est le vlog qui suit juste après les requins. Faut savoir que ce matin on s'est levé à 4h du matin pour aller les voir. Là on enchaîne avec Kalangaman Island. On part vraiment pour le coup à l'aventure, j'ai mon drone. Elle a son dôme pour faire du snorkeling. Ça va être génial ici. Bon voilà, on s'est installé, on a trouvé une petite tente, jusque là ça va, et puis on a trouvé aussi un mec qui peut nous avoir du poisson pour ce soir, les deux poissons pour 50 pesos, donc ça nous va très bien, on va essayer de trouver ou des nouilles ou du riz avec ça, et puis voilà, là on attend juste qu'il soit 15h et que tout le monde rentre par bateau jusqu'à Malapascua, et qu'on ait enfin l'île pour nous. Palace pour ce soir, donc on va dormir là dans cette petite tente. On avait la possibilité de prendre une grande, mais c'était plus cher et on est un peu ras sur les bords, donc on... on a pris la petite. Je pense qu'on va la mettre devant carrément sur la plage pour dormir et vraiment avoir le lever du soleil demain matin. Ok, ça y est, on y est. Tout le monde est parti, il reste vraiment que les gardes-côtes ici, que les gens qui passent juste la nuit, donc ça veut dire une dizaine de personnes qui se trouvent encore sur l'île, que des Philippins. On a la plage pour nous tout seuls, c'est parti pour un putain de shooting, c'est parti pour du drone, c'est parti pour la musique épique. Allez, go! Voilà ce qui se ramène. Et ça, je pense que ça va faire une petite ondée des familles ici sur l'île. Donc on va aller peut-être se mettre à l'abri avant que ça nous tombe sur la gueule. Hey guys, how are you doing? I'm moving. You're going over there? Yes. Look, the rain coming. You sleep here? Yes. Yeah? Yeah. All the time? Oh yeah. No way. Did you make it? Oh. Cette première journée ici sur Kalangaman Island, c'était vraiment super cet après-midi. On s'est bien reposé, on a pris des super belles images. La tempête est en train d'arriver, heureusement pour nous c'est pas encore pris la flotte, on va la prendre. Je pense que dans la tente ça va être assez drôle. Mais voilà, moi j'étais venu pour ce genre de choses ici aux Philippines et notamment sur Kalangaman. C'était Finn qui m'avait dit de passer la nuit ici, il a vraiment eu une superbe idée. Même si voilà, même si on va se prendre ça. Matinée sur Kalangaman Island, on vient juste de se réveiller, il y a un peu de vent et on n'a pas beaucoup dormi parce qu'il y a eu beaucoup de vent cette nuit sur l'île.
L'île est tellement belle, c'était une superbe expérience de dormir ici sur cette île, c'était vraiment trop marrant. Avec Célia, on a passé des beaux moments ici, enfin, c'était vraiment beau. Je vous mets le lien de son Instagram et je vous mets le lien de mon Instagram. Si t'es pas déjà abonné, je t'invite à le faire parce que là on a pris de ses photos et on va bombarder sur Insta, ça va être un truc de malade. Donc voilà nos deux comptes. Ok, voilà le bateau qui nous ramène jusqu'à Malapascua. On fait nos affaires à Malapascua, on va faire encore un petit peu de route ensemble avec Célia. On va aller jusqu'à Cebu City ensemble, j'ai mon avion demain matin pour Coron. Donc voilà, vous savez tout, prochain épisode à Coron avec mon pote Philippa que vous avez déjà vu dans une vidéo, Richmond. Il m'accompagne pendant 4 jours, je pense qu'on va faire 2 vlogs là-bas. Dernière ligne droite, et puis je rentre en France. Donc plus qu'une semaine ici aux Philippines, je vois la fin de mon voyage. Cette île était carrément magique, c'était vraiment un super moment ici. Je conseille à tout le monde qui veut passer du temps sur une île paradisiaque de venir ici, en tout cas aux Philippines, et de passer carrément la nuit. Parce que le coucher de soleil hier, quand on s'est tapé, était fabuleux. Et on se voit pour le prochain vlog, ciao.